Je ne peux pas toujours jouer comme un fou. Alors, ça me distrait de vous aider. Vous comprenez? Non. Vous m'aidez, mais à quoi, monsieur Lepic? Appelez-moi Poil de Carotte, c'est mon nom. Monsieur Poil de Carotte. Pas monsieur! Monsieur Poil de Carotte. Si madame Lepic vous entendait, elle se tendrait. Appelez-moi Poil de Carotte, tout court, comme je vous appelle, avec vous. Vous allumez le feu et préparez le petit déjeuner de la famille Lepic. Madame Lepic. Votre mère? Oui. Prends du café au lait. Monsieur Lepic. Et votre père? Oui. Ne m'interrompez pas, Annette. Prends du café noir. Mon frère Félix, du chocolat. Et vous? Oh, vous. Vous prendrez probablement du café au lait, comme Madame Lepic. Après, elle avisera. Et vous? Oh, mais moi, je pense que je veux dans le buffet! Un reste de soupe, un morceau de pain sur le pouce. Je varie. Où il y a les pantalons de chasse de Monsieur Lepic. Par la pluie, il ramène des kilos de boue. Ça sèche et c'est indécrottable. Il faut savonner, taper dessus à se démettre l'épaule. Annette, les pantalons de Monsieur Lepic se tiennent droit dans la rivière, comme de vraies jambes. Tout gentil. Ah, vous trouvez? Il paraît qu'il ne faut pas s'y fier. Vous avez peut-être des petits défauts? Des petits et des gros. Je les ai tous. Je suis menteur, malpropre, hypocrite, ce qui ne m'empêche pas d'être paresseux, têtu. Tout ça à la fois? Et c'est pas tout. J'ai le cœur sec, je ronfle et je boude aussi. Et c'est même peut-être le principal de mes défauts. On affirme que malgré les coups, je ne m'encouragerai jamais. Et vous pas? Oh, quelques gifles. Elle vous donne de vraies gifles? Oui, une raquette. Mon prof de dessin prétend que je suis beau. Il exagère aussi. Comment j'aurais pu te savoir les tant de qualités? Adorable, affectueux, très gentil, tel que tu es, mon petit François. Ah tiens, je m'appelle par mon vrai prénom. Je devais te froisser en te donnant l'autre. Oh, pas toi. C'est le ton qui fait tout. Tu m'aimes? Comme un enfant retrouvé. Attendez! Quelques jours, que Madame Lepic fasse bon accueil à votre nouveau visage. Comptez sur un mois d'agrément avec elle, jusqu'à qu'elle vous prenne en grippe. Demeurez ici, vous ne serez pas plus mal qu'ailleurs. D'ailleurs, je vous aime, autant qu'une autre. Alors, je vous conviens. Madame, vous demande d'aller chercher un bol de crème à la ferme. J'y vais. À tout à l'heure, papa. Bonne chance. C'est Monsieur Lepic? Oui. Il a l'air plutôt maussade. Il n'aime pas que je le souhaite. Bonne chasse, ça porte guigne. Alors, vous lui avez dit que Madame Lepic vous avait défendu de... Moi, sous prétexte, Madame Lepic!
peut-être besoin de toi. Elle a toujours besoin de moi. T'as dû lui faire quelque chose. Je le saurai. Dès que je fais quelque chose à ma mère, elle me le dit et je le paye tout de suite. Mais j'ai été très sage cette semaine. Mais tu vas parler, nom de Dieu. Papa, je veux quitter cette maison. Mais qu'est-ce que tu dis? Je voudrais quitter cette maison. Et pour quelle raison? Parce que je n'aime plus ma mère. Tu n'aimes plus ta mère? Oh, ça, c'est nouveau, ça. Et depuis quand? Depuis que je la connais à fond. Tu sais que, ça, Paul de Carotte, c'est très grave un enfant qui n'aime plus sa mère. Papa, je te prie de m'indiquer le meilleur moyen de me séparer d'elle. Tu me prends de court, tu... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mon pauvre enfant. Crois-tu que je me suis donné autant de sacrifices pour que tu cloues des semelles et que tu rabattes des planches? Papa, tu te joues de moi. Mais tu le mérites, franchement. T'imagines un petit peu, ton frère bachelier et toi savetier. Mon frère est heureux dans sa famille. Parce que tu l'aimes, toi, pour quelques petites histoires d'enfants, des querelles. Il y a des enfants si malheureux, tu se tues. Ben, c'est bien rare. Ça arrive. Ouais. Et alors, tu veux te suicider? De temps en temps. T'as déjà essayé? Deux fois. Ben, comment sera ta première, on sera... J'allais sauter dans le vide. On m'appelle. Et tu es descendu? Oui. Bah, tu vois, ta mère t'a sauvé la vie une deuxième fois. Non, si c'était ma mère, je ne serais plus là. C'est toi, papa. Tu m'as pris avec elle. Tu crois que je suis jeune? Pas si jeune que ça. J'ai déjà une dent de sagesse qui me pousse. Bah, ça tombe bien, parce que moi, je vais en perdre une des miennes, justement. Donc, tu vois, Paul de Carotte, le nombre de dents de la famille ne change pas. Non, toi, papa, un observateur, t'es-tu marié avec maman? Mais qu'est-ce que j'en savais, moi? Il faut des années pour connaître une femme à fond. Et quand on la connaît, ben, il n'y a plus de remède. Et le divorce, à quoi sert-il? Impossible, sans ça. Avec cette existence stupide, j'ai essayé plusieurs fois de lui faire des propositions. Mais elle a toujours... Il s'agit de savoir qui de nous deux fermera les bêtes. Et d'après la volonté de Madame Lepic, sa volonté formelle... Quoi de carotte? Tu les fermeras tous les soirs. Oui, maman. Bonjour, maman. Et des cravates. Mais tu dis que je n'ai pas besoin de cravate à la campagne? Oui, mais t'as encore sali ta blouse. Il y aurait une crotte sur cette terre, elle serait pour toi. Attendez, madame, attendez. Je la pioche. Tu pioches ta blouse maintenant? Ah ah, mais Annette, il a fait votre conquête, hein. Vous avez de la chance d'être dans les bonnes grâces de Paul de Carotte, n'y est pas qui veut. Laissez. Il se brossera sans domestique. Bah, si tu répondais, est-ce que tu m'entends quand je te parle? Hein? Oui, mère. Oui, oui, maman. Oui, maman. Tête de bois. Oh, ma pauvre Annette, on ne le mène pas comme on veut, celui-là. Il a pourtant l'air bien docile, madame. Lui? Rien ne le touche, il a un cœur de pierre, il n'aime personne. N'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de ramasser quelques brindilles de fagots. Allez-vous-en! Voilà comment on parle à moi, devant une étrangère, devant mes enfants qui me doivent le respect. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être traitée comme la dernière des dernières? Annette! Je vous préviens, mais madame va avoir une crise. Ne vous inquiétez pas, elle va se tendre les bras. La seule personne qui a pu pratiquer, c'est vous. Elle va se mettre le mouchoir dans la bouche, mais elle ne peut pas l'avaler. Elle va aller vers le puits, mais j'ai mis un grillage. Après, elle va courir partout, elle va finir chez Thuré. Jamais, jamais, je ne remettrai les pieds dans cette maison. À ce soir.
C'est décidé, papa. Je ne t'abandonne pas. Je reste. Et là, je dois dire que ça a bien débouté quand même. On est assez contents. Alors, le fait de jouer la première fois, c'est magique. Ah ouais? Et ça donne envie de jouer toute la vie. Tout alors, moi, je suis Annette, la petite servante. Ouais. Et alors? Mais alors, j'ai apprécié la pièce. On a été vraiment dans l'histoire. Moi, je trouve très heureux de l'ensemble. Hein. Tout le monde, les comédiens, le public, très 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 bon public. Alors, on découvre cette pièce. Mille facettes à redécouvrir à chaque fois. La même en représentation, on a refait des découvertes et il va y avoir encore des modifications de mise en scène. Oui, je suis au cours Florent en seconde année. Ah ouais, super. Et j'aimerais bien plus tard évoluer dans le milieu artistique. Après super. Lequel, on ne sait pas, on verra. Annette, elle est tellement tendre, elle est tellement adorable, tellement gentille que bon, c'est un personnage qui est hyper attachant. On a beaucoup de trac, hein, ce qui est normal. Ah ouais? Ouais. J'ai transpiré, j'ai mouillé la chemise, on va dire. Mais c'est pas la première fois, vous, autant le Non, mais le c'est toujours une première fois. Bah ouais, c'est ça qui est toujours une fait, première fois qu'on est sur scène. C'est extraordinaire, c'est une histoire intemporelle. Voilà. Donc c'est une bonne première, là? Bah, moi je pense oui. Vous espérez la prendre? Ah oui. T'as déjà fait des scènes quand même. Mais oui, j'ai fait des scènes, mais jamais avec un... En spectacle, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est grisant, hein. Voilà, parce que je chante, sinon, c'est ma passion. Ouais. Donc j'ai déjà fait des scènes devant les gens en chantant. Ouais. Mais du théâtre, c'est pas pareil. Ouais. Bah super, bravo. Et puis voilà, donc moi j'ai passé un excellent moment. Je veux le refaire et le refaire et le refaire avec Véronique, avec Pascal. Avec Maxime, super. Bon, d'accord. Super. Donc ça met beaucoup de baume au cœur et puis on aimerait que ça se reproduise encore très 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 souvent. Ouais. Et vous auriez envie de la reprendre? Non, mais on va la continuer. Hein. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est positif, pour les écoles. Bon, c'est super. Hein. Et c'est finalement très actuel. Hein. Ça passe le temps. Hein. C'est ça ce passe qu'on le dit, temps, hein. Malheureusement. Ouais. Malheureusement c'est aussi. C'est à redécouvrir. Hein. Paul de Carotte est à redécouvrir. Et je trouve par rapport. C'est une date hein, pour aussi que les scolaires puissent venir assister à cette pièce, quand même, qui est sur des problèmes de famille, d'enfants et d'adolescents. Donc voilà. Donc c'est très intéressant, quand même, qu'ils puissent se déplacer. Et après, on aimerait bien faire des tournées scolaires aussi, de toute façon. Et puis avoir une petite programmation à Paris, pourquoi pas. Voilà.